Finalement, Benjamin Pavard pour évoluer en équipe Inter de Milan. Après 7 ans passés en Allemagne, défenseur français qui voulait quitter l'équipe Bayern Munich, et bien finalement, monsieur lui-même pour rejoindre le pays l'Italie. Selon Sky Italie, dossier ça finalement réglé. Et bien, Nerazzurro et Bavaroyo finalement tombé d'accord sur un transfert qui pourra estimer pour 30 millions d'euros plus 2 millions d'euros et comme bonus. Pavard lui-même, il pourra être capable de rejoindre l'Italie et il pourra passer visite médicale mercredi qui a vraiment 29 août 2023. Finalement, FC Barcelone est prolongé un jeune pépite qui s'est Fermín López qui prolongé dans le club et catalan. Jean ça a été annoncé par plusieurs médias et locales. Et bien finalement, c'est désormais officiel. Fermín López prolongé contrat lié avec FC Barcelone. Un contrat qui parle prend fin jusqu'en juin 2027. Et bien, champion d'Espagne en titre annoncé ça à travers un communiqué officiel. Le footballeur qui était sous contrat jusqu'en 2024, il prolongé jusqu'en 2027. Gagné deux clubs qui intéressés avec Jesse Rodriguez, ancien joueur Real Madrid là finalement monsieur sans club. Et bien comme rapporté journal Maca, il fait connaître Jesse Rodriguez finalement capable atterrir dans pays Brésil selon publication Ibérica. Et bien équipe Santos là et Coritiba est bien intéressé avec footballeur espagnol là monsieur lui-même nous connaît qui passé dans Real Madrid, qui passé dans Las Palmas, qui passé dans Real Betis et qui passé tout dans équipe Paris Saint-Germain. Et bien finalement il est capable à évoluer dans pays Brésil dans équipe Santos là et Coritiba c'est club ça qui intéressé avec lui. Nous parlons de Kounia de Harry Maguire qui est capable de briter dans Manchester United, poussé vers la sortie dans le club Mancunia et qui était vraiment intéressé l'équipe récemment, défense centrale anglais finalement, pour être capable de briter dans l'équipe et Manchester United là. Pendant ce temps, Mancunia a accepté dans un premier temps une offre de 30 millions d'euros en provenance de West Ham et United. À quelques jours de fin mercato estival 2023, et bien, le club Mancunia prend une décision très fort concernant ancien capitaine qui c'est Harry Maguire. Journal de Evening Standard affirme que Manchester United pape lâché défenseur anglais était ça. Si le blanc étape cherché pour se séparer avec lui était vraiment écoché nom de Benjamin Pavard pour être capable de venir remplacer lui, bien Red Devidio finalement et pas souhaité perdre Harry et Maguire. Et finalement une décision qui vraiment capable dit qui prend par club et Mancunien fanatique football. Et bien là Harry Maguire qui parle rester dans équipe là selon journal de Evening Standard. Accord entre Paris Saint-Germain et Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. À quelques jours de fin mercato estival 2023, Hugo Ekitike pas de jambe pas très proche pour te quitter Paris Saint-Germain, mais dans dernier essai, Paris Saint-Germain t'a même trouvé un accord avec club allemand pour transfert des attaquants parisiens. Bonne nouvelle pour le Cameroun, André Onana fraîchement débarqué dans Manchester United qui a annoncé retraite internationale dans fin année 2021 juste après Coupe du monde qui était organisée au Qatar. Mais après 8 mois d'absence, portier de 27 ans pour être capable de faire grand retour dans l'équipe et Cameroun. Le 12 septembre prochain, Cameroun qui va affronter eh bien et Burundi, une façon pour qualifier pour prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Et pour ça, André Onana lui-même l'a sélectionné par Rigobert Song pour capable venir défendre couleur pays. Manuel Neuer nous connaît qui était blessé en décembre dernier, monsieur Léon qui était fracturé dans jambe et droite li après Coupe du monde là, c'était une mauvaise nouvelle pour l'équipe Bayern et Munich là. En effet, goalkeeper allemand, monsieur ta même est déjà et participé dans une séance d'entraînement avec gardien pour première fois depuis grave blessure li juste après victoire équipe Bayern Munich là face à l'équipe Augsbourg là. Et bien une très bonne nouvelle pour l'équipe Bayern Munich là qui espère compter sur Manuel Neuer dans fin saison. Voilà donc et c'est comme ça dossier et puis gain tout Jamal et monsieur là les mêmes qui était blessé dans entraînement dernier jour qui se passé là finalement monsieur les mêmes il commencer courir et capable opérationnel très prochainement.
D'après Media Lance, Neymar Junior pour le capable de faire grand débit avec l'équipe saoudienne. Neymar Junior qui a dû faire partie de choc ça dans le championnat saoudien face à l'équipe Al Ittihad, l'équipe qui est Karim et Benzema. Il fait connaître Benzema qui a supposé rater rencontre ça à cause de une blessure. Eh bien, c'est vendredi 1er septembre et match football ça pour le jouer. Week-end dernier, ancien ailier gauche Paris Saint-Germain était vraiment entraîné sans qu'il pas senti aucune douleur dans cuisse li. Ça qui est vraiment pensé qu'il capable et bel et bien jouer premier match li dans jeu qui a pas venu là. Voilà donc Neymar Junior avec Al Hilal capable jouer face à l'équipe Al Ittihad et actuellement qui c'est leader et Saudi Pro League. Dossier Randall Colomiani dans l'équipe Paris et Saint-Germain. Selon les dernières informations journal Foot Mercato, Randall Colomiani pape yon joué Paris Saint-Germain. Pour qui raison? Eh bien, équipe Eintracht Francfort là, il paraît trop gourmand dans négociation pour Randall Colomiani. Ça passé. Position des clubs yo paraît éloigné dans dernière heure. Eintracht Francfort li mandé trop l'argent. Club allemand lui réclamait notamment 90 millions d'euros plus 10 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus avec club et capital et française là. Mais au fait qu'on est, dans un premier temps, équipe allemande là, t'es accepté pour le vendre Randall Colomiani pour une somme est vraiment inférieure. Un montant que Paris Saint-Germain considérait trop élevé pour international et français. Et bien finalement, Paris Saint-Germain capable et bail vague dans le dossier Randall Colomiani. Clément Lenglet a plusieurs clubs qui sont intéressés avec lui dans la Premier League. Selon la presse espagnole qui a appuyé sous plusieurs sources anglaises, Aston Villa est entré dans Dasla pour gagner service Clément Lenglet dernier SAO. Unai Emery li vraiment apprécié qualité gaucher de 28 ans. Yo même fait connait gain des négociations qui t'a même débuté entre deux directions yo. Et bien finalement Barcelone qui est déclaré vendeur pour et monsieur ça qui c'est Clément Lenglet. Mais on fait connait Clément Lenglet sur route pour ta une équipe et Séville. Nous allons parler de FC Barcelone, club catalan qui pourra vivre un fin mercato particulièrement mouvementé. Eh bien, il y a deux noms qui a fait un peu l'actualité dans Mercato Barcelone, c'est João Cancelo et João Félix. Président FC Barcelone, João Napolita, lui-même qui a fait une déclaration dimanche dernier, dans un entretien, il était accordé avec Movistar. Là, on a posé la question sur João Félix, il a dit, c'est une question pour nous poser avec Deco qui a travaillé pour gagner un effectif complet. Nous ne pouvons pas finir Mercato, parce que nous pouvons gagner un marge salarial pour mener bien l'opération qui a venu. Voilà donc. C'est comme ça la Polta lui-même lui te répond pour arriver de Cancelo. Eh bien, il y a très bonne voix. Latéral Manchester City, t'as de répéter avec Barcelone avec yon option achat. Concernant João Félix, Barcelone lui montre lui intéressé pour dossier ça. Il est capable même doubler Liverpool qui intéressé avec international portugais. Selon information journal Abola, Portugal lui-même qui vraiment paraît une solution. En cas de départ de Mohamed Salah dans Liverpool. Côté départ dans FC Barcelone, je vais connaître Marcos Alonso intéressé Manchester United qui a cherché compenser l'absence de Tyrell et Malacia et Lucas Shaw, tous des joueurs qui blessés. Selon Sport Bill, il fait connaître club anglais, il est en négociation avec FC Barcelone, mais il fait connaître espagnol là beaucoup de parle, il souhaite rester en Catalogne. Real Madrid a gen yeux fixés sur la Lamine Yamal. Jeune footballeur ça qui gagne 16 ans, monsieur lui-même qui paraît un titulaire dans Xavi Hernandez, monsieur qui a fait un très bon début de saison avec le club et catalan pour exercice 2023-2024. A appliqué la presse espagnole annoncé que Lamine Yamal, monsieur lui-même l'a choisi représenter l'Espagne, monsieur capable et même convoqué avec la sélection espagnole à partir de vendredi, yon et pays qui a entraîné par Luis de la Fuente. Ça qui paraît bizarre dans le dossier, c'est que Lamine Yamal, monsieur lui-même, n'a pas signé aucun contrat professionnel avec le FC Barcelone. Il fait connaître tout le bagage bouclé avec l'agent Lia qui est Jorge Mendes pour qu'il ait signé un premier contrat professionnel. Ça qui est fait lié avec l'équipe Barcelone jusqu'en 2026. Mais sur le moyen terme, Barcelone, il a des doutes et des craintes, comme indiqué le journal As.
Raison, c'est parce que Barcelone yo aurait douté du Real Madrid. Nan dernier temps sa yo, te déjà gen rumeur ki t'ap sikile de yon intérêt ki Real Madrid gagne pour e jeune sa ki formé nan Masia. Mais yo fè konnen se entourage joueur football la ki inquiété direction Barcelone nan selon média et particulièrement papa li. Vè konnen papa et Lamine Yamal ta même yon supporter invétéré de Real Madrid et capable même pousser pour petit garçon là ta rejoindre et Santiago Bernabéu à l'avenir. Média évoque notamment signature de prochain contrat et Lamine Yamal comme date critique. Ça veut dire si tout bagaille passe bien pour Lamine Yamal, il t'a poursuivre progression li, un contrat avec des émoluments et des superstars, il a et Barcelone est apparaître vraiment en danger. Real Madrid est capable et très probablement gain possibilité pour dépasser Barcelone en termes de salaire capable proposer avec jeunes et footballeurs là. Et bien on fait connaître Real Madrid qui vraiment intéressé avec jeune pépite qui a vraiment fait un pile causer avec le FC Barcelone.